Salut tout le monde, c'est Drunkslen avec vous pour une nouvelle vidéo de Resident Evil 7, épisode numéro X, écrit dans la description ou dans le titre, je ne sais plus. Alors, on est dans la cassette qui s'appelle Joyeux anniversaire. Je pense qu'on est aux commandes d'un des journalistes, en fait d'un des deux, ouais c'est ça, d'un des journalistes, celui qui est pas mort, donc je pense que c'est le, pas le caméraman mais l'autre, en fait je suis plus sûr. Et on a été enfermé dans une pièce où on va sûrement avoir des énigmes à résoudre et possiblement crever à la fin. Bref, on y va, on se lance. Bonjour monsieur le clown, il fait très 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 noir. Malheureusement, il fait très noir. J'aurais aimé avoir un peu plus de lumière. Eh ben, on va prendre la bougie justement et comme ça on est correct. Voilà, qui est très très lumineuse d'ailleurs cette bougie. Parfait, alors bonjour monsieur. Comment ça va? Je vais regarder juste un tout petit truc dans les options. Finalement, j'ai rien fait. Je voulais regarder au niveau de la luminosité, mais on va laisser ça comme ça. Donc c'est parti, monsieur. Comment ça va? Tu es dégoûtant. Alors, je peux aller par là. Là, il y a des ballons. Ok, on va aller faire un tour déjà par ici, qui est une simple toilette. Je ne peux pas tirer dessus et je ne peux rien faire dans cette toilette. Très bien. Ça, c'est la bougie infinie. Bon, est-ce qu'on peut résoudre tout ça? Je peux-tu péter des ballons avec ma... Non. Je peux rien faire non plus avec ces ballons. Donc, j'ai pas trop le choix d'aller... par là. Allons-y. Toi, tu ne bouges surtout pas. Je ne te fais pas confiance. Il se passe rien ici à part des ballons. Donc, si je passe par là... J'ai intitulé ce jeu « J'aimerais vraiment sortir de cette pièce vivant et ne pas mourir dans d'atroces souffrances. » Je sais, c'est un titre provisoire. Prends une bougie, allume-la et mets-la sur le gâteau. Et n'oublie pas de sourire, cette fête est pour toi. Ok, super... Oh mon dieu, donc là je peux malheureusement pas mettre de bougie. Parce que la bougie n'est pas allumée. Là, je vais éteindre ça. Je peux pas non plus. J'ai pas ce qu'il faut pour ça. Là, il y a un cadenas secret. Je peux pas l'ouvrir non plus. Oh. Ok, on va essayer de voir si je pourrais trouver une solution plus tard. Est-ce que je vais la récupérer ? Quoi, ça n'arrête pas de couler. Oh là là. Peut-être mauvais signe, ça, que ça coule. Oh, il a l'air d'avoir un étage. Mon dieu, ça se répand. Je peux-tu... Ça n'a pas... fonctionne pas. Ça n'arrête pas de couler. J'ai l'impression que c'est pas... Ouais, j'ai compris. J'ai l'impression que c'est pas bon que ça coule tout le temps. Je peux pas l'utiliser non plus. Ok, là je peux pas brûler. Il me faudrait... Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Des superbes photos de la famille. Ça continue à se répandre? Ça continue à se répandre. C'est pas bon ça. Ok. Oui, bah arrête de m'arroser, là ça suffit. Ah. Je peux allumer ma bougie. Parfait. Je pense pas que j'ai autre... Oh, là, j'ai des choses à faire. Non, non, on va... Je peux pas lui mettre ça? Il manque un doigt, très bien. Je peux-tu mettre la manivelle ici? Il manque un doigt pour qu'il puisse dessiner, je pense. Ok, bon, il va falloir qu'on trouve ça. Toilette. Ça déborde. Oh, la mauvaise idée. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est dégueulasse, mais t'as pas le choix. Allez, vas-y. Allez, allez. Qu'est-ce que c'est ça? Un télescope sale. Très, très bien. Sélectionnez le télescope. Oh, mon dieu. Oh, j'aime pas ça. Ok.
Je vois rien du tout. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ok, je regarde le sol en même temps. Très mauvaise idée. Essayons de rester droit. Il est très très sale. Oh, je peux te nettoyer? Il n'y a pas d'eau qui sort. Bon, bah, il n'y a pas d'eau qui sort, qu'est-ce que je te dise. Ça continue à se répandre, je pense, l'autre. Hein. Bon, là, j'ai la bougie. Je vais pas aller là, mais ça continue. Oh, mon Dieu, ça continue à se répandre. Ok. Je peux rien faire avec ça. À moins que... Non, il n'y a aucune raison d'utiliser ça ici. Ok, bon, on va aller là. Des ballons. Oh, avec mon... Je savais bien qu'avec ma flamme, je pouvais les péter. Et un ballon. Peux-tu me baisser, tu... Ça, il n'aura plus de ballon. Ce sera fait. Le ménage sera fait, il n'y en aura plus. Et je m'embêterai plus. Allez hop, plus de ballon. Les ballons, j'aime pas ça. Encore un. Et voilà, plus de ballons. Suffit les ballons. Enfin, je suis tranquille. Y a quelque chose derrière? Non. Ici? Oh, des chiffres. Difficile d'ouvrir sans le mot de passe. Happy. Ouais, mais je peux-tu utiliser quelque chose? Un télescope? Quoi que ce soit? J'ai peur. Là, que je peux faire un ballon? Oh, ok. Je vais pouvoir utiliser le truc pour le gonfler, je pense, ici. Ça, c'est de l'air. Je peux utiliser ça, je pense. Le ballon. Aïe 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 aïe. Oh, la plume. C'est ridicule. Ok, je peux toujours pas poser la bougie. Je peux-tu au moins lui donner la plume? Il va me dire c'est pas possible. Il manque le doigt. C'est ça que je pensais. Il manque le doigt. Il manque le doigt. Il manque le doigt. Je peux pas aller par là. Ça va se... Ça va se mettre en... Oh, attends, on va regarder le télescope là-dessus. C'est extrêmement sale. Ah, on va le nettoyer le télescope en passant sous l'eau ici. Marche-tu ça? Yes! Ça continue de couler, hein. C'est à l'infini cette affaire-là. Je n'ai pas le... je n'ai pas ce qu'il faut. Parfait. Donc là... Puis-je utiliser le télescope propre? Oh, mais oui! Pendu... Quelque chose et enfin. Ok. Je pense que ça va être ça ici. Alors, pendu. Je pense que ça ressemble à ça. Et enfin. C'est ça. Et là, une poupée de paille. Je peux faire quelque chose avec... Non, ça n'aurait pas de couler, je suis faite. Ça me prendrait un objet genre...
Ça ne marche pas. Oui, tu vas encore m'arroser, j'ai compris. Une poupée de paille. Ah ben, est-ce que je peux lui donner la poupée de paille? Here. Ok, je vois. Je peux utiliser ça pour regarder quelque chose? Je pense pas, hein. Y a-t-il d'autres trucs cachés avec tout ça? Je peux-tu donner ou pas? Non, ça ne rentre pas. Très très bien. Y a-t-il autre chose que je peux faire ici? Non. C'est quelque chose que je peux faire ici? Non plus. Et ici? Non plus. Bon. Est-ce que j'ai tout essayé? Ça, je le sais pas. On va reprendre. On va remettre du feu. Bon, ça, je peux pas rien faire avec ça. Y a-t-il quelque chose là-dessous? Non plus. Très bien, très bien, très bien. Ça, c'est déjà fait. Donc maintenant, il me reste pas mal cette pièce-là. Sauf que je n'ai pas le code. Happy. Happy. Qu'est-ce que je fais avec la poupée de paille? Je peux-tu combiner? Je peux pas la combiner. Je peux pas la combiner. Je sais pas si je peux l'utiliser, mais... You. Ça, c'est moi. Embroché. Ah, je peux-tu l'allumer? Je vais regarder si je peux y mettre le feu. Sur la poupée de paille. Oui! C'est un doigt! Excellent! Très bien, maintenant on va lui donner la plume. Et on va le faire tourner. Allez, go! Écris quelque chose que je puisse savoir le mot secret. Oh oh. Oh non, pas sur moi. Non, 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 pas sur moi. Loser. Oh mon dieu. Ok, bon, on a, je pense qu'on a trouvé le code secret pour la porte. Loser. Loser. Ah ouais, ouvre-toi. C'est extraordinaire. Tout ça pour la, tout ça pour avoir la, le volant. Puis là, on va pouvoir éteindre l'eau qui veut tout le temps éteindre ma bougie. Et je sais pas si on va s'en sortir parce qu'il va peut-être pas vouloir. Allez, tourne, mon petit loup. Vas-y. Donc là, ça s'allume plus. Et là, on reste tranquille. Oh oh oh. Quand ça se fait qu'il fait noir d'un seul coup? Je suis pas d'accord. Oh my god. Pas le choix. C'est une bombe. Oh, ça va. Oh mon dieu, ok, je comprends. Ce qui coulait sur le sol, c'était ça. Vite! Elle est en train de brûler vivant!
C'était dégueulasse, man. Je suis vivant. Joyeux anniversaire. Non. Ok, parfait. Wouhou, on est arrivé. Donc je ne regarderai pas encore cette vidéo. Ça m'a suffi, merci. Donc là, on va aller à la zone de test. Et j'ai trouvé ce que j'avais à trouver. Donc maintenant, est-ce que j'ai autre chose? J'ai plus de crochet, j'ai plus de place, j'ai plus rien. Très bien. Est-ce que j'ai un autre endroit où j'aurais besoin de la clé de truc mûche? De la clé serpent? Mais il me reste un endroit, je pense. Il reste un secret à trouver. Et un endroit ici. Un endroit pour crocheter. Et un secret à trouver, je pense. Les deux étages. Ah oui, c'est vrai. Ici, j'ai plus rien à crocheter. Et ici, non plus. C'est juste que il me faut... Ok. Donc on est reparti. Ok, pour l'instant ils sont pas là. Ça me va très bien. Il faut que j'aille par ici. Il faut que j'aille dehors finalement. Ah oui, c'est vrai que je peux aussi prendre ça. Vous n'avez plus de place dans l'inventaire. Ben, je vais aller en faire parce que l'inventaire est juste là. Le téléphone, très bien. Tu vas attendre un peu, téléphone. Faut que j'aille. Faut d'abord que j'aille sauvegarder parce que je vais récupérer les deux fusils. Maintenant que j'ai un faux fusil pour ça. T'éclates, hein? Ben, c'est ça la vie. Donc, déposons un petit peu tout ça. Je n'ai plus besoin de la cassette. J'ai plus besoin de la clé non plus. Le fusil va me prendre deux places. Maintenant je vais me débarrasser d'un. Parfait. Donc je vais d'abord aller chercher le fusil. On va courir un petit peu là. Le téléphone ne sonne. Ouais, je me disais aussi le téléphone ne sonne plus, c'est très bizarre. Donc allons chercher le fusil qui est ici. Comme ça j'en aurai deux. Non. Pardon, je me suis trompé. Et voilà. Deux fusils, man. Je peux-tu le démonter? Je peux-tu le démonter? Oh, je vais le démonter, on va regarder ça. Ben, si je peux. On va regarder tout de suite si je peux démonter ça. Je répondrai au téléphone après. Vu que j'ai l'autre fusil qui a l'air bien plus puissant. Alors, voyons voir. L'affaire pour démonter ici. Ça. Agent de séparation. Regardons un petit peu. Est-ce que je peux le combiner? Ah non, je peux quoi? Ah, je peux le combiner avec ça et ça. Eh ben, ça m'intéresse pas. Parfait. On s'en va. J'ai la hache aussi. Je pense que la hache, c'est pour faire un set dehors. Pour ouvrir le coffre avec l'ombre. Parce qu'on s'entend qu'avec la hache, je peux faire un set. On va d'abord décrocher le téléphone, tel que désiré. Hey, mon pote, souviens-toi, avec ces deux cartes d'accès, tu peux entrer à la fête. Sois pas en retard. Laisse-moi parler à Mia. Non, tu dois d'abord te pointer. T'as quand même pas oublié où était la fête, pas vrai? Tu peux entrer depuis le jardin. Dépêche-toi, mec, allez, tout le monde t'attend. Bon, c'est parti. J'aurais vraiment voulu trouver le trésor. Oh non. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je ne suis point d'accord. Il y en a deux. Non, j'ai juste un. Oh, c'est efficace. Oh, ce que c'est efficace. As-tu vu ça? Oh. C'est quoi ça? Même pas que je pouvais le prendre. Oh, un crochet! My god, je pourrais aller ouvrir le dernier truc. Que j'ai... Ah, c'est tellement ça que je vais faire. Excellent. Donc là, hein,
Je suis là. Tu me vois pas, hein? Regarde. Oh merde, tu m'as tellement eu, là. Arrête, tu bouges pas. Tu vas pas me sauter dessus, hein? T'es mort, là. Merci. Pire, on les voit pas, hein. Ok, on va aller par ici. Et on va faire ça. Très, très bien. Donc, je suis sûr que je vais pouvoir utiliser la fausse hache pour faire un set. En tout cas, on va l'essayer. Ça fonctionne. Et voilà. Et là, ça va ouvrir le petit coffre. Un stabilisateur. Excellent. Je vais l'utiliser. Et je vais te booster. Votre vitesse de rechargement a augmenté. Excellent, excellent. Donc, un secret de fait. Maintenant, j'ai un crochet de plus. Donc, quel est le dernier endroit que j'ai découvert où j'ai besoin d'un crochet pour l'ouvrir? Ce n'est pas ici. Ce n'est pas dans la vieille maison. Ce n'est pas là. Je ne dis pas que c'est dans le sous-sol. Où est le... Je suis sûr qu'il y a une porte que j'ai pas crocheté. Ou un truc que j'ai pas crocheté. Là. Juste là. C'est dans la vieille maison. Dans la serre. Excellent, on est juste à côté, donc on va y aller tout de suite. On va aller faire un tour tout de suite, comme ça, ça sera fait. On a découvert tout ce qu'on avait à découvrir. Et on va pouvoir aller faire la fête juste après. Let's do it. La serre. La fameuse serre, là où je me suis battu contre la mer tarée. Dont tout le monde et moi-même, je me souviens très bien. Il y a des choses ici que je n'ai... Oui, il y a des choses que je n'ai pas ramassées, comme ce truc-là. Et c'est un agent de, séparation. Ok, donc là, on va utiliser... Une grenade incendiaire. Bon. Pourquoi pas une grenade incendiaire. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... aller faire un tour... de l'autre côté. Oh, j'ai jamais remarqué qu'il y avait ça. Oh mon dieu. C'est excellent. Donc je pourrais faire soit des balles un peu plus, soit... Je pense que j'aurais besoin de ça. J'en ai un. Je pense que je peux en faire. Je peux faire des balles à canon. Je peux faire ça et ça. Ça... ouais. Je peux pas non plus. Je peux pas. Non, je pensais que je pouvais, mais finalement, je peux pas. Ça, c'est un truc de séparation. Je peux-tu l'utiliser avec quelque chose? J'ai deux trucs incendiaires. Ouais, bof. Ok. Allons utiliser les portes. Ben, les cartes d'accès, les puces. Je suppose qu'il n'y a pas vraiment de... Ah, j'ai le trésor là aussi. J'aurais voulu l'avoir, mais c'est pas grave. La bleue. Et la rouge. Aïe, 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 aïe. Donc le portier va être poigné. Je le sens bien, je le sens bien. On va faire ça dans une prochaine vidéo, ok? On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo, on rentre dans le club.
Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre la famille, laissez-moi un commentaire sous la description si vous avez quoi que ce soit à me demander ou à me dire, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, parlez-en à vos amis, clochez-moi pour ne pas rater une de mes vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que d'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye.